café qui t'a été dit. Je serai bref parce que tout a déjà été dit. Je prends la parole tout juste. D'abord, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Santé, paix en vous-même et autour de vous, bonheur, succès et prospérité à chacune et à chacun d'entre vous. Je forme des vœux identiques à tout le peuple béninois, particulièrement des vœux de paix dans cette période de forte tension sociale et économique ainsi que politique. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter nos militants et militantes. Il y a 4 mois, en septembre, à l'occasion de notre université de vacances tenue à Saint-Mécony, vous vous étiez mobilisés très nombreux. L'aboutissement a été le carton rouge que nous avons levé sur le projet de révision de la Constitution et grâce à votre mobilisation, je crois que ce débat-là, il est éteint. Je voudrais vous féliciter encore pour votre mobilisation d'aujourd'hui et surtout pour votre patience extraordinaire. Je vous avoue que quand je suis arrivé ici ce midi, j'étais de très mauvaise humeur parce que nous avons dit rendez-vous à Diara à 10h. Je suis arrivé à midi et il y avait encore des problèmes de sonorisation. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais nous allons faire l'enquête. Quand on n'a pas fait l'enquête, on n'a pas le droit. Donc nous allons faire l'enquête pour savoir à quoi est due cette panne de sonorisation qui a duré de 10h à 14h. Nous savons déjà que là, c'est le produit. Nous connaissons déjà les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas passés à l'ORTB. Nous voulons savoir pourquoi aujourd'hui nous avons eu 4 heures de panne et n'avons pas pu commencer à l'heure de nos travaux. Mais en attendant que cette enquête aboutisse, je voudrais vous remercier. Je craignais, je vous le dis franchement quand j'étais assis, que de lassitude et de fatigue, vous me rendriez chaud. Or vous êtes resté jusqu'à maintenant parce que vous aimez le parti, vous aimez le PRD. On ne vous a pas donné de perdre, on ne vous a pas donné d'argent, on ne vous donnera même pas à boire. Et pourtant, vous êtes là. Bravo, c'est ça. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier du fond du cœur toutes nos structures, les présidents et bureaux de cellules, les présidents et bureaux de sous-section, les présidents et bureaux de section, les présidents de commission, les présidents de structures horizontales, le bureau politique national, la direction exécutive nationale, tous les militants et toutes les militantes, je voudrais vous remercier. Car sans vous, il n'y aurait pas de président à l'Union. Il n'y aurait pas de PRD. Le PRD, c'est votre militantisme, c'est votre mobilisation, c'est votre dévouement autour du parti qui font que nous sommes aujourd'hui, je crois, un des partis les plus forts du Bénin. Je voudrais tout simplement dire que ceux qui pronostiquent la disparition du PRD, ceux qui font des fiches là-bas, pour dire que le PAD est déjà en train de partir, eh bien, je dis, ils ont encore des soucis à se faire. Le PAD est encore là. Nous étions là au commencement du changement. Nous serons encore là à la fin du changement.
message politique essentiel que je veux délivrer à cette occasion. C'est un message qui s'adresse à la classe politique de notre pays et qui s'adresse en même temps au gouvernement et à son chef. La classe politique de notre pays, je dis bravo pour sa mobilisation, bravo pour sa prise de conscience, bravo pour avoir compris la nécessité de travailler ensemble, la main dans la main, pour résoudre les problèmes de l'Europe. Je lui demande cependant d'aller jusqu'au bout de la recherche du dialogue. D'aller jusqu'au bout de la recherche du dialogue apaisé. Elle ne doit pas se décourager. Elle ne doit pas baisser les bras dans cette recherche-là. Qu'elle se mobilise, oui. Et nous approuvons tout ce qui est entrepris depuis quelques jours au niveau des grèves pour faire entendre raison au gouvernement. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos mots. Il faut continuer la recherche du dialogue pour une solution au problème de notre pays. Mon second message est un message adressé au gouvernement. C'est parce que vous faites la sourde oreille, que vous exaspérez les uns et les autres. C'est parce que vous usez de faux semblants que vous exaspérez les uns et les autres. Le peuple béninois est un peuple pacifique, mais à force de faire la sourde oreille, à force de ne pas écouter le cri de détresse des forces politiques, des forces économiques, des forces sociales de ce pays, vous allez dans le mur et vous risquez d'entraîner notre pays dans le mur. Je forme donc des vœux pour que notre gouvernement et son chef soient un gouvernement qui soit un chef épris de paix, épris de volonté de dialogue et surtout épris de sagesse pour que vivre de l'homme. Je vous remercie infiniment, très chers militants, merci pour votre patience, merci d'être venu, à très bientôt, bonne et heureuse année. Je vous remercie aussi. Je remercie la presse pour faire aussi son travail. Elle est là depuis ce matin. On n'a pas vu la femme, il a eu le PD, c'est devenu un parti pauvre, on n'a plus d'argent, on n'a plus de pas de rien à manger, à boire, et tout. Et malgré ça, vous êtes restés, je tiens à vous remercier, à vous en féliciter. Voilà.